Salut à tous, ici Boyas Ness pour une toute nouvelle vidéo, les Marseillais partent, moi surtout. Donc il est 8h, on part à peine de Marseille, on va arriver à l'ouverture du salon. J'ai pas mal de potes qui sont là-bas, donc on va les rejoindre. Et encore deux bonnes heures de route, une heure et demie, deux heures facile. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le replay, comment ça se passe. Franchement, ça fait deux années que je l'ai fait tous les samedis. Et franchement, c'est impeccable. Donc, bonne organisation, une bonne équipe de Monsartou, donc du replay, qui fait que le salon tourne bien. Et c'est extraordinaire de passer une journée là-bas. Je vous montrerai, il y a beaucoup. Enfin, l'année dernière, c'était comme ça. Il y avait beaucoup de jeunes de 5 à 10 ans qui jouent aux vieilles consoles. Et c'est vrai que c'est les papas qui les ramènent, qui leur montrent un peu ce qu'eux ont connu plus jeunes. Et c'est ce qui se passe également dans ma chaîne. Je vois pas mal de petits jeunes qui arrivent de 10 à 20 ans, enfin de 10 à 15 ans, parce que 20 ans c'est encore pas loin de mon âge, mais qui découvrent le rétro, qui découvrent de bons petits jeux. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous dis à tout à l'heure. Bye l'équipe, c'était Boyas Ness. On en parle ça des copains, on part de Marseille, on a fait quoi? On a fait 30 bornes et voilà, c'est ça y est, c'est le brouillard. C'est Zébébel Oued, on reconnaît plus le soleil, on est parti de Marseille. C'est incroyable, incroyable, voilà. Restez à Marseille, venez à Marseille, là il y a le soleil, il n'y a pas de brouillard comme s'il faisait moins de 10 alors qu'il fait à peine 5 degrés. Donc voilà, à tout à l'heure l'équipe. Et voilà, 9h40, on arrive à Monsartou, donc fracassé. Franchement, 2h30 de route comme ça. Ben, j'ai regardé un peu les vidéos YouTube des collègues, donc le temps est plutôt passé vite, mais un peu fatigué. On va aller voir si tout est prêt. Normalement, ça ouvre à 10h, et on va voir tranquillement, et on va filmer tout ça. Allez, à tout à l'heure. Bye l'équipe.
Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je vous remercie tous d'être venus. C'est grâce à vous qu'on fait ce festival. Merci aux invités, merci à Mathieu, merci à Nico et merci à Guillaume d'être là. Merci à FF d'être là. Merci aux quatre modeurs. Merci à Vadu. Merci à Kernel, merci à Cosplay, merci à les amis du Pixel, merci à Twilight. Franchement, voilà. Mais si, j'ai déjà dit. Et à tous ceux qu'on oublie. Sur bon ça quand même. Merci à Kaza hein, qui nous amène toujours du super matos. Ouais, c'est bon, j'ai oublié personne. Et merci donc à tous les bénévoles de la CO. Ils font encore un travail formidable cette année. Voilà. Parce que nous, on est rémunérés. Eux, non, mais nous, oui. Ton fils, il a dit qu'il était obligé de venir. Ton fils, il est puni, le pauvre. On fait ça pour le plaisir. Il sait qu'il mange bien, après. On espère que tout le monde s'éclate. Ouais, c'était un plaisir de vous retrouver. Parle pas de ta vie de Calphine. Ça va sur YouTube, après, l'année prochaine, j'espère qu'il y aura encore un festival. On s'en fout, Unique Sacha. Pourquoi tu nous fais le discours du dimanche, le samedi? Merci à Xavier qui nous a ramené à la dernière minute. Un grand, grand big up. Ouais, 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 ouais. Il nous a sauvé le coin de l'eau. Déjà, on nous repart. Je crois qu'on est en 2025. Ouais. Donc l'année prochaine, on espère qu'on aura une plus grande salle. Ce serait bien, parce qu'on est un peu serré. Moi, je ne sais pas si je ferai de l'aventure, parce que j'ai plein d'autres trucs, plein d'autres projets à côté, donc je ne sais pas si j'en ferai partie. Mais bon, je pense qu'ils assureront même sans moi. Et voilà, passez une bonne soirée. Merci Gamerjob, en fait. Et voilà, les copains, il est 22h30, on est arrivé sur Marseille et on va se reposer. Demain, vide-grenier très tôt, pas mal de vide-grenier, donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo sur le replay vous a intéressé. Ça montre un peu l'ambiance qu'il peut avoir dans les salons rétro ou non, mais vraiment une très 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 bonne équipe pour l'association du replay et de très bonne personne, franchement au top. J'ai pu rencontrer 2-3 abonnés au salon, donc on a pu discuter un tout petit peu. C'était vraiment sympathique de discuter avec des personnes, de savoir pourquoi ils sont abonnés à ma chaîne, qu'est-ce qu'ils trouvent de bien, qu'est-ce qu'ils trouvent de pas bien. Donc c'est toujours sympathique. Donc voilà, c'était Boyas Ness. N'oubliez pas le petit pouce des familles. Bye l'équipe, c'était Boyas Ness.